arrive dans 20 minutes. Si, stressant. Pourquoi t'as un club de lecture? Je pensais que ce serait bon pour toi, après t'as rendu avec Pierre. Mais as-tu aimé le livre? L'étranger? Oui, c'est intéressant. Intéressant? Oui, très intéressant. As-tu lu le livre, Marine? L'étranger? Par Camus? Oui. Non. Désolée, mais j'ai lu un article. Et je sais l'intrigue. C'est un homme qui s'appelle Melrose et qui boit du café dans l'odeur de sa mère. Et après, elle se fait exécuter. Ce n'est pas une intrigue. Adieu, mon fils, c'est une intrigue. Mais il y a aussi les autres événements importants. Ah oui? Oui, le jour après l'enterrement de sa mère, il rencontre Marie et il commence une affaire. Et il a son poisson vraiment de la tête de sa matrice. Et après, il y a une lutte avec Meursault, son voisin Raymond, un de la frère de la matrice de Raymond et ses amis. Après les luttes, Meursault tire un de ses amis du frère de la matrice de Raymond. Seulement s'appelait Lara en 5 fois. Il est méchant. Alors, au procès, le procureur lui condamne parce que seulement il mange froid du café pendant la veille de sa mère et le lendemain commençait une affaire. Sa punition était la peine capitale et il devient très pensif. Au début, il pense que c'est cruel d'avoir des guillotines et pas de la clémence ou espérance. Mais après, il réalise que le monde est différent, donc il est heureux. J'ai entendu. C'est une histoire étrange et ridicule. Il est heureux parce que le monde est cruel. Le monde n'est pas cruel, c'est indifférent, comme lui. Il est indifférent de vie même. Il ne sait pas pourquoi il a tué Lara et il n'a pas beaucoup de regrets. À mon avis, Melrose est un idiot. Ouais, peut-être. Camus dit que Meursault est le seul crise que l'humanité moderne mérite. Pas du tout. Je n'ai jamais dit c'est mon avis. Je trouve Meursault fascinant. Pour la plupart du temps, pour la plupart du livre, il est passif. Mais après le procès, il a un éclaircissement. Et pour le premier temps, on peut éprouver ses émotions. C'est fort. Je préfère Paris Match. Honnêtement, moi aussi.